tous les autres du territoire de Trois-Rivières aboutissent ici. Donc, on a un bilan complet de la ville, un mélange complet. Et c'est ça que le gouvernement nous a exigé. On participe avec 6 autres villes au Québec, les grosses villes Québec, Montréal et Sherbrooke. On a eu une entente, une demande du ministère de l'Environnement cette année de faire le suivi régulier, 3 jours semaine. On envoie ça dans la journée même à Québec, au laboratoire du ministère. Et eux font l'analyse, le décompte pour suivre le COVID, en fin de compte. Et dans le fond, c'est juste une bouteille qu'on identifie à nos coordonnées. Il faut toujours garder ça à 4 degrés Celsius et moins pour que les bactéries restent en vie. OK. Ça fait qu'on envoie ça dans un contenant comme ça. Puis ça donne un indice un indice par rapport à la journée précédente, par rapport à la semaine précédente. C'est seulement un indice parce qu'on recherche une protéine du virus qui se retrouve dans les eaux usées. Je voudrais avertir aussi que c'est pas le virus comme tel qu'on retrouve dans les eaux usées parce qu'il se dégrade facilement. Les échantillons qui sont recueillis sur le chemin Bradley doivent être acheminés au ministère dans les 24 heures. Vu que c'est un test de microbiologie, de recherche vivante, c'est de la vie, on doit le livrer dans les 24 heures et être analysé dans les 48 heures. On recherche le virus là, dans les eaux usées par une technique moléculaire là, de PCR, puis on est capable à ce moment-là de dire est-ce qu'il y en a, puis il y en a combien. C'est important de préciser que ça ne permet pas de déterminer le nombre de personnes infectées. Ce n'est pas tout le monde qui excrète de la même façon, la même quantité de virus, puis aussi le virus se dégrade là, dans le réseau d'égouts selon la température, fait qu'il y a beaucoup de choses qui changent, qui ne nous permet pas à ce moment-ci d'être capable de dire combien de personnes sont infectées avec la donnée sur les eaux usées. Puis est-ce que ça permet de peut-être voir venir des vagues? Oui, bien, c'est ce qu'on espère. C'est une des utilités là, qui ont été montrées dans les publications scientifiques sur le sujet. Donc, être capable de suivre les tendances, voir si ça augmente, puis peut-être, comme je vous dis, être capable de voir venir les vagues un petit peu plus tôt, c'est ce qu'on espère. Ils nous ont proposé de faire ça jusqu'en avril 2023. Ça fait que la ville a accepté. C'est notre contribution pour aider les gens, là.